Félicitations pour cette journée. Je voulais que ce soit très spontané. Je reviens d'Algérie Post où vous avez les salutations de vos collègues d'Algérie Post. Et je suis très fier que vous soyez là. J'aurais aimé que les 2100 femmes et plus soient également ici avec nous. Malheureusement, elles sont disséminées à travers tout le territoire national. Et heureusement, puisque nos clients continuent à parler, à utiliser la data aujourd'hui, je suis fier de recevoir nos championnes. Notre ambassadrice également. Et vous, les championnes quotidiennes. La population me dit. Je tiens à vous rappeler que si nous sommes ici, c'est grâce à de grandes dames également, qui ont fait en sorte que l'Algérie soit aujourd'hui là, n'est-ce pas? Depuis des siècles, pas uniquement depuis 50 ans, mais depuis des siècles, de grandes dames. La femme algérienne, moi j'oublierai jamais, voilà ce que je connais un peu les années, donc, les fameuses années 90. Je sais que bon, on a eu et dû aux femmes. Maintenant pour revenir à Mobilis, je tiens à vous réitérer le total engagement de la direction générale pour que vous soyez les plus épanouis possibles, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de problèmes. Et je peux vous annoncer d'ores et déjà quelques petites mesures. Et une des dispositions importantes a été introduite au niveau des lois algériennes qui aujourd'hui combattent le harcèlement. Quel que soit le harcèlement. Et je suis fier d'annoncer que nous avons mis en place au niveau de Mobilis une cellule d'écoute qui est rattaché directement à mon cabinet et qui va prendre en charge tous les cas de harcèlement au niveau de l'entreprise. De telle manière d'un homme, d'une femme, de quelqu'un d'âgé, d'un jeune, de quelqu'un de très diplômé ou de quelqu'un de pas très diplômé, moi pour moi c'est le résultat. Donc les gens qui me sollicitent, viennent, je veux, etc. Tu m'appelles en anglais, show me the money. Montrez-moi ce que vous avez fait, ce que vous pouvez apporter. Là, il n'y a pas de souci. Et il faudrait qu'aujourd'hui on apprenne à dire que tout le monde n'est pas kiff-kiff. Tout le monde n'est pas similaire, tout le monde ne se ressemble pas. Donc, au quotidien, c'est vous donner les moyens de travailler et les moyens de vous développer, de vous battre pour que les choses changent. Voilà. Donc maintenant, vous changez pas parce que je veux que vous soyez libérés pour votre au moins la demi-journée, au moins. Mais au chalet, c'est bien, vous allez créer de la circulation féminine. On va honorer les championnes d'Algérie, les championnes qui vont représenter l'Algérie au Cameroun, la Coupe d'Afrique. On va prendre quelques collègues qui vont représenter les 2000 et quelques collègues qui n'ont pas pu venir ou qui ne pourront pas recevoir directement un petit présent symbolique. Le collègue retraité, Maïdekro Boucher, qui disait « Atallah fait mobiliste, Atallah fait. » Nous attirons, nous, les âmes, nous, les anges, adorables, et nous sommes, nous, les hommes, pauvres et avec des milliers de roses, on vous entoure.
On vous aimait sans le dire, on vous l'éprouve. On sait croire fort, on pense de vous connaître. On vous dit toujours, vous répondez peut-être. Vous les femmes, vous mon drame, vous si douce, vous la source des larmes. Pauvre diable, et nous sommes vulnérables, misérables, nous des hommes. Dès que notre bouche sourit, on a commencé à jouer plus ou moins bien l'indifférence. On fait tout pour s'écarner, pour son éclat. On le fout des jalousies et ça vous plaque. Le foot pour les femmes. Prenez Nadia Fache. Alors, ça peut se reconnaître. Mais on dit que les femmes n'aiment pas le football. Il faut dire que non. On aime le sport, on aime le football et on est présente et voilà, la preuve, vous êtes des championnes. Bon, salam alaikum. Bismillah, bismillah, et bien, tout à l'heure, je vous remercie. Je vous remercie à la parole de votre parole. Et pour la salle de l'Aïd al قول عيد سعيد للمرأة في العالم عامة وعيد سعيد للمرأة الجزائرية خاصة ونتمنى إن شاء الله المزيد من النجاح والتفوق. On vous dit toujours, vous répondez peut-être. Vous les femmes, vous mon drame, vous si douce, la source de l'honneur. Vous me dites que nous sommes. Pourquoi ? Parce que contrairement à d'autres ambassadrices, suivez mon regard, Madame Benedamerah représente réellement la femme algérienne. À part que je vous connais peut-être pas toutes de nom.
noms. Je connais les noms, pas les visages. Mais je suis contente d'être parmi vous depuis quand même 12 ans maintenant. 13 ans pratiquement. Et ma porte a toujours été ouverte pour tout le monde. حنا كما على بالكم اليوم سي لا جورني انترناسيونال لا فام سي جوست اون جورني سيمبوليك بور سو رابلي لو رول دو لا فام الجيريان دون ليكونومي ناسيونال بيسكو نو سوم اون انتربريز ايكونوميك وانا نفتخر بزاف باللي انا في موبيليس لا فام سي ني با برك ان سلوغان شعار مي سي اون رياليتي 42% de nos effectifs, de notre personnel, sont des femmes. Et comme vous avez pu voir le reportage, à tous les niveaux, au niveau top management, au niveau technique des ingénieurs, femmes, au niveau des finances, des financières également. Donc nous sommes fiers de pouvoir se rappeler ce 8 mars le rôle de la femme dans le développement de l'économie nationale, surtout au niveau d'une entreprise publique qui essaye de devenir une entreprise publique modèle. Bon, on a quotidiennement, au niveau central, quotidiennement, il y a une collaboration, c'est la réalité de quotidienne, c'est-à-dire tous les jours nous avons des réunions, des séances de présentation, etc. Et puisque nous avons la chance d'avoir quasiment la parité au niveau de l'entreprise, nous avons la chance d'avoir des réunions avec nos collègues féminines, les présentations qui sont faites, les projets, les différents projets, nous avons des chefs de projet sur des secteurs stratégiques qui sont des collègues femmes. Et aujourd'hui, ce n'était qu'une occasion de les rassembler, de rassembler une partie, puisque nous n'avons pas pu rassembler les 2100 femmes collègues que nous avons à travers tout le territoire national et que je remercie pour leurs efforts qui ont fait qu'aujourd'hui nous soyons le numéro 1 à couvrir toute l'Algérie en réseau 3G. Bonjour, c'est Madame Harar Imen, chef de produit et nouveau service prépaid, la direction marketing, la direction générale de Mobilis. Voilà, je tiens à vous souhaiter une très bonne fête à toute la femme algérienne et spécialement la femme mobilicienne. Et voilà, comme vous le savez, aujourd'hui on a fêté ce grand événement avec tous nos collègues et avec notre directeur général, Monsieur Habib, que je tiens à le remercier, lui dire merci, le fait qu'il nous a honorés aujourd'hui. Shukran. Oh,